Et salut à tous les amis, c'est Jamin et Charline. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour un concept que je vais faire depuis la création de la chaîne. Un concept qui me dit ça c'est une dinguerie. Et genre j'ai jamais pu la faire vraiment. Et aujourd'hui on le fait. Aujourd'hui on va rouler 200 km toujours tout droit. Et évidemment quand il y aura un T, ben, je vais rappeler quelques règles après. En tout cas 200 km toujours tout droit, ça m'hype tellement. J'avais tellement hâte de faire cette vidéo. On va partir du coup de la ville de Viarm. Vous le voyez ici sur la carte. C'est la Webby Charline. On part de la ville de Viarm. C'est donc moi qui va vous présenter les règles. Même si je sais bien qu'ils viendront pas jusqu'au Québec, c'est bien dommage parce que je leur avais préparé un bon pain de viande et une bonne poutine, tabarnak. C'est pas grave, tire-toi une bûche, je vais t'expliquer les règles. Pour la destination, c'est la roue de la chance qui va décider. Ensuite, il y a un endroit où il n'y a pas de route en face, que c'est un croisement mais qu'il n'y a pas de route en face. Et ben on va lancer un dé, si c'est pair on va à droite, si c'est impair on va à gauche. Et enfin, s'il y a des travaux sur la route en face, ben on s'adapte. Hein. J'espère que c'est clair pour toi. Si c'est pas le cas, ben c'est peut-être que t'es un peu con là. Je suis très pressé et très excité de faire cette vidéo. On ne sait pas où on va atterrir les amis. Et c'est ça qui me fascine. Ouais. On fait un vlog, on bouge, on se déplace, on va faire 200 km quand même. Mais on sait pas où. Et c'est génial, moi j'adore. C'est trop, on se retrouve encore en région parisienne. Wouah, j'aurais la flemme. Je ne comprends pas que... Je suis pas pour. Alors, je vous explique, il y a nord, sud, est, ouest. J'ai mis deux catégories chacun. À chaque fois, on va éliminer un des trucs, celui sur lequel ça va tomber. Et ce sera le dernier qui restera quand on ira. Attention, c'est parti, qui va être le premier à éliminer? Dur pour l'est, ouais. Franchement, ça ne me dérange pas du tout. Ouais, vraiment, l'est c'est retourner vers chez moi. Après, on dit ça, si ça se trouve, je vais me prendre un gros karma. C'est l'est qui va rester en dernier. Ok, ouais, de toute façon. Nord ou ouest, il reste. On est obligé de recommencer. Voilà les amis, j'ai remodifié comme c'était. Là, un est, un sud éliminé. C'est tendu hein. Un nord éliminé. Bon, un nord. Ça me dérange pas non plus. Mes préférences vont clairement au sud. Il reste donc 5. Arrête. Je faisais n'importe quoi. Le deuxième est est supprimé. On n'ira pas à l'est et c'est un plaisir les amis. J'avais la flemme de retourner vers chez moi. Après 200 km ça faisait loin, on aurait pu se retrouver à... On aurait pu se retrouver à Reims. La flemme, on a déjà fait un vlog à Reims, c'est bon. Le nord, deuxième nord. Deuxième nord éliminé. Bon tu sais bien. Dans tous les cas je suis content. Ouais franchement ça va. Le reste n'a pas encore eu d'éliminé. C'est le cas désormais. Sud ou ouest? Attention, par où va-t-on aller? J'aurais préféré le sud quand même. On va dans le sud. On va vers le sud, les amis. C'est plutôt pas mal, ça. C'est plutôt cool. Bon, bah voilà. On sait vers où on va. On va aller jusqu'au point de départ et après, on vous montrera la route. Bon, les amis, cette vidéo, c'est quand même le VDF numéro 5. Non. VDF numéro 5 qui doit sortir en septembre. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est fin août et je viens de passer les 200 abonnés. C'est un réel plaisir. Donc je vous remercie tous, vous êtes vraiment les meilleurs. Et j'espère que cette communauté va grandir. Parce que plus on est fou, plus on rit, comme dirait l'autre. Attention du coup. Nous partons vers le sud. On fait clairement un demi-tour du rond-point, puisque bah, c'était la direction sud, mais c'est de là que ça commence. C'est là qu'il va falloir que je réinitialise à zéro. Et c'est parti.
content. En plus, au sud, c'était le deuxième éliminé premier. J'avais peur, vraiment. Mais du coup, dans le sud, où est-ce qu'on va pouvoir se retrouver déjà? Sache que la route du sud, on va vers le sud. Après, étant donné qu'on suit toujours les routes tout droit et tout, ça veut pas dire qu'on va se retrouver au sud. Ah oui, c'est ça. Genre, il y a un endroit, je vois très bien l'endroit, il y a une chance sur deux pour qu'on se retrouve au nord. Donc bon. Nickel. Bon, là, les amis, je vous explique un petit truc. En fait, il se trouve que. Ma ville est en travaux. Voilà. Mais du coup, la route qu'on aurait pris si on aurait été tout droit, je sais laquelle c'est. Du coup, je vais faire un détour, je ne vais pas forcément respecter de fou le truc, mais je n'ai pas le choix, tout simplement. Fait, et du coup, on sait que ça amènera au même endroit. Voilà, donc on va pas. Pour le coup, bah, c'est parce que voilà, c'est en travaux alors que ça n'aurait pas dû l'être. Et on va essayer de prendre la route tout droit, on va respecter l'itinéraire. Oui. Parce que si on prend la route tout droit là vraiment, bah, on va se retrouver dans la merde. Hein. Quand on allait prendre le train ou des choses comme ça, bah, vous n'avez pas de voiture. On n'a pas le choix de monter cette côte qui est infernale. Et on a l'impression qu'elle est interminable aussi. On a déjà fait un centième du trajet. C'est tout? Comment ça c'est tout? D'un bout à l'autre de Vierme, il y a 2,5 km. Bah oui. Mais c'est énorme. Voilà, on est de retour sur la route originale. On est qu'à 6,4 km maintenant. Ouah, ça va être si long en fait. Clairement, ouais. Accessoirement, en plus, vous pouvez juger ma conduite. Genre voir qu'au rond de point, je prends pas tout à fait là, toujours la bonne voie. Mais bon, c'est pas très grave en vrai, quand il n'y a pas grand monde sur la route, ça va. On passe par de la bonne route de champ là, ça va être que ça, ça va être trop bien. Ouais, à part si on prend l'autoroute, mais ça va bien. Bah, c'est pas nous qui allons décider. Oui, c'est ça. Donc. Mais oui, sachez qu'on s'approche d'une autoroute. Et que là, déjà, on roule déjà plus trop vers le sud en fait. Ouais. On roule un peu plus vers l'ouest. Et après, il y a une. À l'autoroute, il y a un. Enfin. Pas loin de l'autoroute, il y aura un choix à faire. Mais là, de toute façon, il va falloir que je lance le dé. Père, on va aller à droite. On s'approche du rond-point. On sait que c'est un rond-point à double. Père, on va à droite et un père, on va à gauche. 6. 6, on va à droite, les amis. Ça signifie donc qu'on va aller prendre l'autoroute. C'est pas. C'est bien parce que ça veut dire qu'on va aller. Ça va être cool. Ouais. Je vais pouvoir bien rouler. Par contre, c'était pas prévu qu'on va dépenser le péage, sa mère la pute. Voilà, les amis, ça veut dire que du coup, on va se diriger vers le nord. Amiens-Beauvais, c'est totalement le nord. Donc on est parti vers le sud, on se dirige vers le nord. Ça me fout droit la gueule. Hein. Et c'est parti pour l'autoroute. C'était pas prévu. Payer les péages. Payer le péage, mais bon. On a pas trop chaud en fait. Hein. On va faire avec. Hein. Tout ce que je peux dire du coup, c'est que les 200 km, bah, ils vont se faire. Rapidement. Du coup, assez vite, ça ouais. C'est cool. Et. Faut que je reste sur ma voie. Oui. Et par contre, bah, 200 km, ça s'arrêtera sur l'autoroute du coup. Donc, du coup, on va sortir dans une ville à côté peut-être. Ouais, ça, selon où on sera, on ira dans une ville à côté. Ou selon. Bah, sur cette autoroute-là, honnêtement, c'est la 16. Amiens-Beauvais, après, on peut se retrouver plus loin. Genre, on pourrait très bien se retrouver. Par un camion, je sais pas si c'est normal. On pourrait très bien se retrouver genre à côté de la mer, pas loin. Du coup, si c'est le cas, bah, on sortira, on ira vers la mer, on trichera un peu, ce sera 200 et quelques kilomètres. Mais bon, pas le choix parce que à Calais 259. À la limite, on va se retrouver pas Calais quand même. Mais genre, oui, bah, y a des chances du coup qu'on se retrouve au bord de la mer. Bah, c'est cool, du coup, moi je suis content. Ouais. Un peu un vlog avec la mer et tout, c'est ce que j'aime, ce que l'on pense. C'est génial. Putain, c'est très monotone quand même. Ouais, clairement là. Disons que la vidéo, j'espère que les prochaines fois on prendra pas l'autoroute pour les prochaines vidéos, parce qu'évidemment c'est que le premier épisode d'une longue série, ça. Enfin, longue, j'irai pas jusqu'à 10 000 km non plus quoi. Mais genre, en gros, j'espère que la prochaine fois ce sera pas forcément de l'autoroute, parce que bah. C'est très monotone, il y a peu d'aventures. Bah, surtout, on va se retrouver au bord de la mer. En plus, il fait encore chaud, on est encore au mois 12. Ouais. C'est cool.
maintenant. On a juste rigolé, Manu. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas du tout pris de quoi se baigner. Bah, en même temps, on s'attendait pas à se retrouver au bord de la mer. Bah, c'est ça. Et en même temps, vu qu'il fait un peu frais et tout. Ouais, il fait pas super beau non plus, vous le voyez. Je suis pas sûr qu'on. Il y a du soleil en léger. Ouais, mais je suis pas sûr que même la vie fait pas super beau, je suis pas sûr qu'on y est quand même. Du coup, ouais, une fois les 200 km atteints sur l'autoroute, enfin, genre, là quand je verrai 200 km sur le compteur, pour l'instant on est à 14,5, et ben je m'arrêterai tout simplement. Enfin, non, je m'arrêterai pas sur l'autoroute, en plein milieu de la voie. Voilà. Oui, non, alors, on sortira à la sortie juste après. Comment ça, limité à 110? Comment ça, section au péage? Ça, c'est pas cool ça. Ah, les amis, on vient de passer. On a fait un dixième de celle de la route. On est à 21 km actuellement. Bon, les amis, mais ça, sinon on va rien entendre. La route passe bien, c'est mois d'automne, quoi. On est à 47,6 km. Bientôt le quart du nombre de kilomètres. Ouais, ouais. Et surtout, ce que je retiens, c'est vous avez vu le ciel en face? En fait, on voit dans le nord. C'est pas forcément le meilleur temps pour. C'est une insulte au nord, ça. Mais en même temps, c'est pas spécialement faux. C'est vrai que. Bah, c'est pas beau pour l'instant. Et les nuages sont menaçants. Ouais. Pourtant, aujourd'hui et demain, il fait faire beau. C'était le seul jour de la journée. Oui. C'est compliqué. Hein. Si c'est ça qui s'appelle beau, qu'est-ce que ça va être les autres jours? Vraiment, les nuages sont noirs, menaçants, pas beaux. Et encore sur le téléphone, il paraît vraiment plus beau. Oui. Genre là, ouais, il y en a un gros gris au-dessus de nous. Je sens qu'on va se prendre une sauce. En fait, là, on va se retrouver entre Amiens et Calais. Oui, ça, c'est une certitude. Jusque là, ça va, tu prends pas trop de risques. J'ai rien dit, il y a encore des nuages menaçants. Après, vous le voyez pas trop parce que c'est à l'endroit où il y a nos têtes. Mais genre, là-bas ils sont pas très beaux. Je voulais essayer de faire un truc de tourner pour voir si on voyait la caméra dedans. Oui, bah oui, mais en fait, tu m'as plus fait peur qu'autre chose. Rigole, rigole. Je suis avec Vac. Oh oh. Et un chêne bloqué. C'est comme quand on balle un cadeau. Tu le mets dans un. C'est un truc et cadeau. C'était pas ouf, en plus je fais des cadeaux. On va voir si on s'arrête là ou après. En tout cas, on vient de passer les 100 km, les amis, ça y est. On arrive à 101 km. Là, on est à 101. Ouais, ça va hyper vite quand même. Oui. Quand tu regardes, ça se défile, on dirait des secondes presque. Je pense que la voiture fait vraiment beaucoup de bruit, c'est pour ça que tu parles vraiment fort parce que. Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup de bruit de la voiture. Et là, tu vois, par exemple, je pense qu'on t'a pas entendu. Tu dis le bruit de la voiture fait beaucoup. Faut parler fort. T'as l'habitude de parler fort. La voiture fait beaucoup de bruit. Ouais, ça va pas mal. Elle me casse ses oreilles toute la journée à parler fort. Et puis, par contre, quand tu fais parler fort, elle parle tout doucement. Elle se fout de ma gueule. Pas le choix. Ça me gratte, putain! Tiens le volant, s'il te plaît, tu me fais peur là. Tu veux que je roule là-dessus? Non! Non! Là-dessus. Non! Mais arrête là! La voiture va faire encore plus de bruit! Tiens, moi. Toutes les routes qu'on peut prendre, elles peuvent mener à Rouen. C'est fou quand même, non?
sortait il y a 50 km, on pouvait aller à Rouen. Maintenant, le temps de se faire cette route, on peut encore aller à Rouen. En fait, ils se sont trompés de lettre. C'est pas toutes les routes mènent à Rome, c'est toutes les routes mènent à Rouen. Bon, les amis, vous l'avez entendu, on écoutait l'aventurier, enfin, on écoute tout d'ailleurs. On écoute. Indochine, comme on l'a dit, voilà. On vient de passer les 150 km. Donc bon, on aurait pu sortir de l'autoroute dans très très longtemps. Mais j'ai envie de m'arrêter. On va s'arrêter sur l'avion. En fait, j'ai envie de prendre un café. Et l'aire de repos la plus proche. C'est à 21 km. 21 km. Enfin, avec un café, 21 km. Comme là, vous le voyez, on a une à 1000 mètres. Là, mais pas de café. Moi, je veux un putain de café. Bon, les amis, du coup, on est environ à 175 km. Bientôt la fin. On va s'arrêter. Un petit café. Le paysage est sympa. Petit canard. On arrête des cailloux. Ça a l'air de la baie de Somme, quoi. C'est sympa. Ça fait du bien un peu de s'arrêter quand même. Ouais. Boire un café et tout. Puis on va reprendre la route bientôt. Je prends cette route là, par exemple, je me demande ce que ça fait. Si tu mets ton ticket de péage qui me met de l'autre sens et que tu. Mais je pense que ça passe pas. Si, quoi, tu le dis. Il va te dire, bah, tu veux quoi, fils de pute. Ouais, c'est ça. Bon, les amis, on est à 499,5. Et vous voyez, bah, on va sûrement se retrouver à Berck, tout simplement. Ouais. 499,7. C'est bien, on est au bord de la mer et tout. 18. 19,9 et 200. Et voilà les amis, on est aux 200 km, donc on va prendre la prochaine sortie pour se retrouver quelque part, parce que je compte pas passer ma journée ici en plein milieu de l'autoroute. J'ai failli déglinguer mon rétro. Non, pas ça, c'est pas bien. Oh, ça va. Je sais pas si on allait avoir ça, ça. 17,50€ les amis. Pour moins cher que prévu. Ouais. J'avais regardé. Enfin genre, je savais qu'on pouvait potentiellement se retrouver par ici, plutôt comme ça. J'ai regardé 22€ et quelques. Mais les chiches. Bon, finalement les amis, faites pas attention à la coupe, on est quand même près de 5 mois après cette vidéo. Finalement on est arrivé un quart d'heure après, le dernier rush que vous avez vu. On était arrivé à Berck. Le problème c'est que le rush a totalement planté, le son était lamentable. Donc là vous allez voir une fois qu'on est arrivé à Berck qu'on s'est garé. Regardez ça les amis, on voit la mer, c'est si beau, ça fait plaisir. Bon les amis, la belle plage de Berck. On est bien là. Tous les commerces là-bas. On va pique-niquer là, comme ça, devant la plage. Par contre, faut quand même saluer. Berck. Les parkings ne sont pas payants. C'est ouf. Tellement de places gratuites. C'est une dinguerie. C'est génial. Hein. Regardez ça, les amis, comment c'est beau. Pure kiff, c'était très bon notre petit pique-nique. C'est beau? Oui, c'est trop beau. À part l'invasion des mouettes, ouais, ça c'est qui nous ça casse la tête depuis tout à l'heure. Mais bon, elles sont belles. Tiens, regarde, elles me regardent. Ouais, effectivement. Il fait froid, il a plu, c'est chiant. Ouais, tu racontes, j'ai pris une sauce tout à l'heure. Ouais. Pendant qu'on est en train de pique-niquer. Comme on est parti assez tôt ce matin, on ne veut pas rentrer trop tard. Ouais. On va
même si je pense que la prochaine fois sera mieux, parce qu'on n'a pas l'autoroute. Si vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un j'aime, de vous abonner. Abonnez-vous, activez la petite cloche. On va se rentrer. Regardez ça, les amis, c'est vraiment, vraiment beau. Incroyable. Hein. De toute façon, on fera toujours le même effet, la mer. Bon, les amis, j'ai verti de l'argent, on a fait tout le tour. Enfin, on a fait quasiment toute la ville sur le front de mer. Et Grand-Roux qui, pour info, est la deuxième plus grande de France, c'est ce qui paraît, en termes de hauteur. Bon, les amis, regardez ça ici, on a un de ces points de vue. Incroyable. Bon les amis, on s'est fait plaisir pour le goûter. Peu avant de repartir tout simplement. Bon les amis, on va se goûter encore plus de vlog ici. On va rentrer. J'espère que ça vous aura plu, nous c'est un concept qui nous a vraiment régalé. Ouais. Et je sais que ce sera encore mieux la prochaine fois. Il y aura toujours plus de kilomètres à chaque fois, donc ce sera toujours mieux. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de liker, c'est très important. Enfin, nous on se dit rendez-vous à très bientôt. C'était Jamin. Et Charlie. Ciao tout le monde.